Yo, bro, forme quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Je vais te montrer les résultats avec le robot que j'ai créé, les résultats de la semaine. Et là, je te montre mon chat aussi également qui se barre et qui se dit non, 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 moi je veux pas être sur la caméra. Je m'appelle Laurent et je fais une vidéo à la One Again, rapidos prestos. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo vite fait là aussi pour montrer les résultats avec le robot Infinity Eagle, le business Infinity Eagle. Mais là, c'est pas de ce robot-là que je veux te parler. Je veux te parler du robot que j'ai créé. Et je vais te montrer les résultats de la semaine avec le robot que j'ai créé. Voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de créer un robot? Tout simplement parce que force de constater que il y a beaucoup de business en carton qui sont bien présentés, d'accord? Qui sont avec du papier doré. Et on a l'impression que tout est ok, tout est bon. Mais au final, tu te rends compte que ces business-là ben, ne tiennent pas la route, d'accord? Ou ne tiennent pas leurs promesses. Moi, dans ces business-là, si je dois faire la somme que j'ai perdue, pour pas trop t'effrayer, je suis à plus de moins 61 000 dollars. Et encore, c'est vraiment une partie. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon propre robot. Après avoir essayé de créer plusieurs fois les robots, et après avoir échoué, j'ai finalement réussi à sortir un robot. Je dirais pas qu'il tient la route, hein. C'est un robot qui fait le taf. Mais il faut savoir aussi que un robot n'est pas une solution miracle. Il faut absolument une intervention aussi humaine, une surveillance humaine, je dirais, pour pouvoir aider le robot quand le marché lui donne tort. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on y reviendra dessus. Mais rappelle-toi tout simplement qu'il faut une intervention humaine. Ça, c'est important. Donc j'ai décidé de créer un robot de trading. Tout simplement parce que, ça permet de savoir où tu mets ton argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais du trading, tu as un broker. D'accord? Tu as obligatoirement un broker. Si on te parle d'un business du genre arbitrage, truc quantique ou je ne sais quoi, et qu'il n'y a pas de broker, déjà tu peux oublier. D'accord? Donc quand on parle de trading, il y a forcément un broker. Ensuite, il y a les chevaux qui sont là-bas. Donc, le fait d'avoir son propre robot, ça permet de choisir son propre broker. D'accord? Ça permet de choisir ton broker. Tu peux choisir ton broker. Alors que la plupart des business qu'on nous propose, eh ben, on est imposé. C'est-à-dire qu'on a un broker imposé. Et ça, c'est pas bon. Le fait d'avoir un broker imposé, ça veut dire qu'il peut y avoir une manipulation quelque part. Ou que ça peut être un faux broker. Et ça, on veut éviter ça. Donc c'est pour ça qu'avoir son propre robot, ben, ça permet de choisir son broker, de savoir où son argent est. Et puis, il y a aussi toute la partie retrait, tu vois, où tu n'as pas de limite au niveau de tes retraits. Quand tu as ton propre robot et ton propre broker que tu as choisi, ben, tu n'es pas limité au niveau des retraits. Tu peux retirer autant que tu veux. Et surtout aussi, ton capital, il est disponible très rapidement. Si, par exemple, dans un business, ton capital n'est plus disponible, alors ça veut dire qu'il y a un gros souci. Alors que si tu as ton propre robot, eh ben, tu peux, par exemple, si tu veux retirer ton capital ou parce que t'as un empêchement, c'est pas un empêchement, que tu as un impératif, eh ben, au bout de 48 heures, tu peux retirer ton capital chez ton broker ou une partie ou la totalité chez le broker que tu as choisi. Donc, c'est aussi important de bien choisir son broker. Donc, tu vois que avoir son robot de trading, ça a des avantages, ça a beaucoup d'avantages pour éviter les arnaques, les scams, les Ponzi. Et par contre, parce qu'il y a un mais, par contre, bah, il faut une intervention humaine. C'est-à-dire qu'il faut que tu surveilles le robot. Si par exemple, il prend des positions que le marché ne valide pas. Et à ce moment-là, bah, tu dois intervenir manuellement. Pour cela, bah, tu dois aussi également, malheureusement, mais c'est comme ça, tu dois aussi avoir des compétences dans le trading. Donc, il faut te former. Donc, je vais te montrer les résultats obtenus avec mon robot de trading. Donc, mon robot trading, il va trader sur plusieurs paires. Il ne va pas prendre une seule paire, mais plusieurs paires. Donc, ça, c'est déjà un élément très important à retenir. Ensuite, il va aller chercher 0,20% à peu près par trade.
Donc, tu vois, il a pris des positions sur EURGBP, sur NZDJPY. Donc, tu vois, là, j'ai eu une perte. Et ensuite, le reste, c'est des gains. Il y a des trades que j'ai pris en manuel pour pouvoir gérer. J'ai dû prendre deux trades en manuel pour pouvoir gérer. Parce que le robot allait dans le mauvais sens. Et j'ai fini avec un bénéfice de 172 dollars. 50 en dollars, donc 10 000 dollars. Donc, 1,72%. Donc, plus 1,72% pour cette semaine. Avec le robot. Alors il faut savoir que je l'ai fait tourner du lundi au mercredi hein, et le jeudi, le vendredi, je ne l'ai pas fait tourner. Donc plus 1,72%, ça c'est le résultat que j'ai réalisé avec le robot que j'ai créé sur un broker que j'ai choisi et avec zéro risque de scam, d'arnaque, de Ponzi. Pourquoi? Parce que c'est un, mon robot et deux, je suis chez un broker hyper connu. Que beaucoup de personnes connaissent, et j'ai réalisé ça avec ce broker-là aussi. Voilà, donc je voulais simplement partager ça avec toi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc et là il faut que j'aille courir vraiment parce que j'ai envie d'aller courir après le mal de dos que j'ai eu. Donc je m'y remets un peu. C'est vrai que ma tête elle est un petit peu chaude parce que je suis tout le temps en train de penser à améliorer le robot, tout le temps en train de penser à plein de choses en termes pour le robot. Alors, juste sache une chose. Oui, je sais un petit peu. Si tu veux le robot, il faut faire partie de la Trading Family. Déjà, ça c'est une chose. Si tu ne fais pas partie de la Trading Family, désolé, mais tu ne pourras pas avoir le robot. Donc, il faut faire partie de la Trading Family. Pour faire partie de la Trading Family, c'est simple. Premièrement, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Tu mets un like aussi. Tu appuies sur les notifications. Et tu vois aussi dans la description, en bas de la vidéo. Tu auras un lien, tu arrives sur la page consacrée au robot, tu t'inscris, c'est gratuit, tu auras des informations sur le robot, mais pas seulement, tu auras aussi le lien pour intégrer ma chaîne Telegram et donc intégrer la Trading Family. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas que ça. Il y aura autre chose, mais tu le sauras les autres étapes une fois que que tu seras déjà inscrit sur ma chaîne Telegram. Voilà, c'est tout. Donc un gros big up aux Sisters Zero Brothers de la team. Vous allez recevoir le robot pour pouvoir l'utiliser et commencer déjà à vous familiariser avec le robot et pas seulement, aussi avec le trading manuel qui sera le complément du robot. Voilà, un gros big up, j'y vais, je suis fatigué, ma tête elle est comme ça et puis voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis un petit peu rouillé. Mais t'inquiète, ça va le faire. Un gros big up. Et puis, on continue d'avancer vers nos objectifs financiers et vers nos rêves. Un gros big up. Ciao.